Le référentiel territorial Île-de-France 2030 est une application développée par l'IAU pour faciliter l'appropriation et la mise en œuvre du schéma directeur de la région Île-de-France. En accès libre depuis le site internet de l'IAU, il propose aux collectivités une déclinaison de ce schéma, le SDRIF, en termes d'éléments de diagnostic, d'objectifs, d'orientation et de cadrage quantitatif. Le référentiel est notamment un outil pour aider les collectivités lors de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Chaque francilien peut également y trouver un intérêt pour découvrir le projet d'aménagement du territoire régional. Pour commencer, l'utilisateur choisit un territoire parmi une liste prédéfinie. Par exemple, une commune, une intercommunalité, un département ou bien un parc naturel régional. Il est également possible de créer son propre territoire en agrégeant plusieurs communes. Des thèmes spécifiques sont proposés pour filtrer les résultats. Les transports, la logistique, le logement, l'activité, les espaces ouverts ou urbains, les ressources naturelles ou bien les risques. Une fois le territoire et les thématiques sélectionnés, la consultation du SDRIF peut commencer. Le référentiel donne ainsi accès aux textes des différents fascicules. Le projet spatial régional, les grands objectifs, les orientations réglementaires, les enjeux de l'évaluation environnementale, les territoires d'intérêt métropolitain de la mise en œuvre. Le menu chiffres permet d'accéder à des données quantitatives. Près de 80 données de cadrage, toutes issues des bases de l'IAU, sont consultables. Un menu à gauche rappelle le territoire actif et permet de naviguer par thème. Le menu CDGT interactive ouvre la carte de destination générale des différentes parties du territoire centrée sur le territoire actif. Cette carte est interactive, elle permet d'obtenir des informations complémentaires en cliquant sur certains objets comme les projets de transport, les sites logistiques, les continuités. Le référentiel offre aussi la possibilité de consulter la centaine de cartes incluses dans le SDRIF. Là encore, le périmètre du territoire actif est mis en surbrillance. Avec le référentiel, l'IAU vous aide à décrypter les préconisations du schéma directeur régional sur votre territoire en vous offrant un accès ciblé à son contenu. Rendez-vous sur le site internet de l'IAU pour commencer.